SRCA, le syndicat du sucre de La Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Producteur de vanille à bois blanc, Armanzit cultive sur environ un hectare un véritable jardin extraordinaire. Au cœur de cette végétation luxuriante, tout ou presque pousse ici en effet de manière naturelle. Qu'est-ce qu'il y a comme espèce en plus de la vanille? Donc un petit peu de banane, un peu d'ananas, des fleurs, un peu de litchi, un peu d'ongani, longani, feuilles à pain, okay. Un peu de jambosse, un peu de quatre épices, coco aussi, et puis peut-être plein de choses finalement. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment diversifié. Oui, ouais. Très bien. Ce matin-là, Armand reçoit sur son exploitation un agent du Parc national de La Réunion. Chargé de mission agro-environnement, Arthur Herbreteau vient évaluer les qualités et les atouts de cette parcelle pour obtenir le label Esprit Parc National, une marque que le Parc national de La Réunion souhaite lancer dès à présent. Quand on rentre dans une parcelle comme ça, c'est typiquement le système de culture que nous, on souhaite valoriser par cette marque, parce qu'on est bien dans une logique agroforestière, diversifiée. L'état d'esprit de ce cahier des charges, c'est d'avoir des productions diversifiées, arborées. Donc il y a la production de vanille qui est le socle économique, on va dire. Ouais. Et on voit qu'à côté, il y a du jacques, litchi, longani. Donc on est... On est presque dans une logique de verger créole un peu plus haut. Donc c'est bien l'esprit de cette marque Esprit Parc National. La richesse d'un verger créole, Carman cultive avec passion. Il nous présente ici l'un de ses derniers arbres qu'il a planté récemment. Ça c'est le fouillapin blanc. D'accord, ouais. De Sevenois. Et en plus, on a plusieurs pieds aussi de côté. C'est pas la même qualité. C'est pas la même variété. Et alors, ouais. Ce fouillapin blanc là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Avec l'olivier gros. C'est ça, les gens cherchent la grosseur, donc c'est le gros fouillapin. Mais c'est avant tout sa production de vanille qu'Armanzit va mettre en avant. Ce nouveau label du Parc National est une véritable reconnaissance de ses bonnes pratiques culturales. Donc c'est un plus pour nous, la coopérative qui commercialise les produits, et un plus pour nos producteurs pour valoriser leur travail donc, en sous-bois et mettre en avant la vanille de La Réunion. Les produits marqués sont vraiment les produits gages d'une grande qualité environnementale dans leur process et d'une vraie réflexion des producteurs pour faire en sorte qu'ils tirent bénéfice de la nature, mais tout en préservant cette nature pour les générations futures. En cette fin du mois de novembre, la marque Esprit Parc National est officiellement lancée dans les jardins de la coopérative Provanille de Brapanon. Une agricultrice bio de Café Bourbon Pointu, 6 apiculteurs et 4 producteurs de vanille sont alors les premiers à recevoir les logos et les panneaux de cette nouvelle marque du Parc National de La Réunion. Donc voilà, on est vraiment au cœur d'une des missions principales du parc, qui a pour objectif de préserver bien sûr les milieux naturels, mais aussi de faire valoriser cette préservation, elle profite aux différents acteurs économiques du territoire d'une façon véritablement durable. C'est un signe de savoir-faire qui valorise la vanille, son histoire, son engagement et la reconnaissance mondiale. Finalement, la vanille de La Réunion, c'est la meilleure du monde. Et donc, dans le parc national, ça permettra plus facilement de véhiculer une bonne image de la vanille et de La Réunion. Apicultrice à la Plaine des Palmistes, Cathy Boulevard est aujourd'hui fière, elle aussi, d'arborer ce nouveau logo sur ces différents produits de la ruche. C'est vraiment une reconnaissance de 10 ans de travail, 10 ans d'effort, 10 ans de patience et ne pas se laisser tenter par une production trop grande, rester vraiment sur sa production de qualité. Grâce à cette nouvelle marque, Esprit Parc National, Pascal Fontaine, lui, compte bien valoriser ces différents miels de forêt rares et d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai emmené 4 différents miels du Parc National et on voit vraiment la différence de parfum que le miel ressort. C'est très très puissant hein, et
les différents parfums. On a aussi le fameux miel de thym rouge aussi, qui est le top. Délicieux. Le meilleur miel de la Réunion, c'est ça l'esprit parc national. Pour nos clients qui sont déjà très amateurs de café bio, qui déjà apprécient notre café labellisé bio, ils vont encore plus apprécier de savoir qu'on adhère entièrement à la marque Esprit, à la marque du parc.